Au Japon, on a coutume de dire qu'il faut toute une vie pour manier l'art délicat du sushi. Mais il est un endroit où il suffit d'une seule bouchée pour savoir l'apprécier. La différence du sushi, c'est peut-être d'essayer un peu de sortir des recettes classiques qui sont importantes, qu'on fait évidemment, mais d'essayer d'apporter un peu de nouveauté, un peu d'originalité, d'essayer de décliner un peu les recettes, d'un peu les européaniser, d'y apporter quelques mix intéressants. Yusushi, c'est bien sûr le poisson cru, sélectionné avec soin, frais et préparé sur place chaque matin. Mais pour les néophytes, c'est aussi poulet, thon cuit ou végétarien. Des recettes adaptées au goût de chacun, afin de découvrir de nouvelles saveurs tout en douceur. Quand on découvre, il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas se lancer dans un sashimi d'entrée de jeu alors qu'on n'a jamais mangé de poisson cru. Il faut découvrir, je pense, un peu au fur et à mesure, quoi. Rapide, efficace et savoureux le midi. Chez Yusushi, on sait aussi se poser en soirée pour prendre le temps de déguster. On vient plus un peu se faire plaisir, c'est-à-dire on vient découvrir, on vient passer un moment de détente, dîner quelque chose qu'on n'a pas trop l'occasion de dîner chez soi ou régulièrement, entre amis ou en couple, c'est plus ça. Que ce soit pour un repas original et rapide le midi, pour la découverte de nouvelles saveurs ou le simple plaisir d'être entre amis, vous avez forcément une bonne raison de venir chez Yusushi. Sit up and talk and play the piano. Play the piano? Mm-hmm.